puce aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais comment tu es? Ouh! Nous avons une jolie petite princesse d'Halloween, on ne dit pas une sorcière. Et tu vas nous faire quoi aujourd'hui, des petits? Des petits sablés, mais spéciaux, parce que bientôt, qu'est-ce que c'est? C'est Halloween, alors tu vas nous faire des petits sablés d'Halloween, d'accord? Alors, on va commencer d'abord par la recette. Qu'est-ce qu'on met pour nos petits sablés? On va d'abord faire nos petits sablés. Allez, un œuf, ma chérie. La pâte, elle est bien pétrie et tu vas la mettre dans le film alimentaire. Et on va la laisser, cette pâte, on va la laisser combien de temps au réfrigérateur, ma chérie? 1 heure. Voilà, 1 heure. Et après, on va pouvoir faire nos petits sablés. C'est bon? Allez, parfait. Tu la plies dans le film alimentaire. Parfait. Alors, ça y est. La pâte a reposé et maintenant on va pouvoir l'étaler. Tu la sors du sachet, ma petite puce, et tu prends le petit rouleau. Voilà, très bien, et tu l'étales. Parfait. On va passer aux choses sérieuses. Hein? Pendant que nos petits sablés cuisent, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va préparer les décors. Voilà. Alors, on va étaler. On a pris des pâtes à sucre. On a de la pâte à sucre orange, de la pâte à sucre noire, de la pâte à sucre blanche et on a des stylos, voilà, des stylos pâtissiers blancs, chocolat, parce qu'on n'a pas trouvé noir. Et rouge, on va pouvoir faire des belles choses. Allez. On a sorti nos petits sablés, on les met à refroidir. Et là, on va prendre l'emporte-pièce rond et on va commencer à décorer les premiers petits sablés. Allez. Alors, on a mis la pâte à sucre sur du papier sulfurisé parce que ça avait collé. Ça y est, ma petite chérie, t'as fait ton petit cercle? Ouais. Allez. Tu l'attrapes. Voilà, et tu viens le poser sur ton petit sablé. Sur celui-là. Allez, sur celui-ci. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire une tête de citrouille. Alors, je te fais le modèle. Voilà, on dit que c'est le sablé. Tu vas lui faire les yeux et une bouche un peu comme ça. Ouais. Ouais. Alors, je te pose le modèle ici. Tu vas prendre, hop, le stylo à pâtisserie là, et tu vas essayer de nous faire ça. Ça fait trop peur, hein? Alors, tu arrives? Je suis pas courageuse, hein? Allez, tu nous fais les yeux. Voilà, tu peux lui faire les yeux un peu plus gros, hein, quand même. Voilà, tu vois, ça c'est comme un stylo. Et ensuite, tu vas nous faire sa grimace. Voilà, génial le petit nez. Ah, oh, montre-nous comme il est monstrueux. Ah, oh, très très joli ça. Il est beau. Allez, tu continues. On va en faire d'autres comme ça. Génial!
bruits qui font peur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, ma chérie? On va faire des petits bonhommes, des petits fantômes. Allez, donc là, on a repris le moule à petits bonhommes. On a étalé la pâte à sucre blanche. Et c'est parti, tu y vas? Ça y est, nous avons notre petit fantôme et nous allons faire le décor. Alors, je vais te montrer, Ludilia. Je vais te dessiner le petit bonhomme. Bon, alors, il ne faut pas se moquer des dessins. Et on va lui faire des yeux comme ça. Et surtout, une bouche comme ça. Voilà. Et là, regarde ma puce. Ça ressemble à un fantôme? Oui. Allez, c'est parti. Alors, tu veux nous le faire avec... Tu as soit possibilité de le faire toujours avec le chocolat ou tu peux même le faire avec le rouge. Pourquoi pas? C'est toi qui choisis. Je vais faire un chocolat avec le... Allez, c'est parti. Enlève le bouchon, ce sera mieux. Voilà. Alors, c'est très simple, hein, c'est comme ça. Ça va pas faire du chocolat. Ben non, hein, sinon ça va pas fonctionner. Hein. Alors, Ludia, tu nous rappelles ton âge? Tu as quel âge? 4 ans. Alors, vous voyez, c'est très très simple. Hein, adapté aux enfants, même les plus petits. Comme ça, ils peuvent faire leur décor et ils ont leur petit biscuit d'Halloween. C'est génial. Allez, fais bien la bouche qui tombe bien, tout ovale, comme ça la bouche. Ouais, génial. Oh, super. Regardez comme il est beau. Il nous fait peur, hein, ce petit personnage. Oh là là. Très bien. Allez, tu peux continuer, ma puce, il te fait très très peur. Ah ouais. Ah ouais. Ah, ma loulouche, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des têtes de... vampires. Alors, pour ça, on a étalé la pâte à sucre noire. Et tu vas faire tes petits ronds, ma chérie. Allez, tu les poses sur ce petit sablé. Et maintenant, je vais te faire un dessin. Alors, regarde bien ce qu'on va faire. Hop! Alors, on a nos petits fantômes. Et maintenant, on a notre petite tête ronde. Et d'accord? On va faire un œil rouge. Un autre œil rouge, un sourire à l'envers, ça c'est en rouge. Et en blanc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire deux dents de vampire. Ouh, regarde! Ah! Alors, on commence par le stylo rouge. Rouge! Allez! Ces petits vampires. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va faire des petites momies. T'es prête pour les momies? Alors, pour ça, tu vas prendre la pâte à sucre blanche et tu vas faire des petits serpents. Allez, tu la roules. Hop, tu viens les placer comme des bandes. Voilà, enfin, arrange-le comme des bandes sur ton petit personnage. Voilà, donc on met la petite pâte à sucre là, comme en forme de bandage. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire deux petites boules pour faire les yeux. Allez, ma puce, tu fais ses petits yeux. Voilà. D'autres. Et là. Voilà. Et... Pitouille. Minuscule. Voilà. Et regardez ces têtes momies comme elles sont magnifiques. C'est super ça. Ouh, regardez ces beaux sablés d'Halloween que ma petite chérie elle a fait. Tu t'es éclatée à les faire, ma puce? Tu vas les goûter? Alors lequel tu as envie de goûter? Celui-là, une belle citrouille. Mmh. Alors, ils sont comment ces sablés? Ils sont délicieux? Ouais. Alors, on souhaite une bonne fête d'Halloween aux petits loulous? Oui. À très bientôt les petits loulous, on vous fait plein de bisous et si vous avez aimé, mettez un like et surtout à... abonnez-vous.
abonnez-vous.